Eh ben bonjour les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est un ancien sanatorium qui a été abandonné depuis quelques années. Et alors, on va aller le visiter. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment immense. Donc, comme je vous dis, c'est un ancien sanatorium où on soignait la tuberculose. C'est un endroit qui est quand même assez éloigné du village. C'est vraiment immense. On va rentrer à l'intérieur et on va aller visiter. C'est vraiment, vraiment immense. Je vais essayer de régler le mieux possible la caméra. Voyez. La tour. La tour. La tour. La tour. C'est vraiment grand. C'est vraiment, vraiment grand. On va rentrer par là après, non? Bonjour. Mais voilà, on y est. Enfin, on verra par ici après. Bon, maintenant, je ne sais pas si on fera tous les étages. Les fers, on les fera. Mais aller dans chaque pièce, comme tous les hôpitaux, je suppose que toutes les ailes se ressemblent. Thank you.
toujours faire ici. Et après, on montera l'étage. Il fait froid. On a 0 degré. Là, il y a l'escalier pour monter. Il y a tous les noms. On verra après. Petite pièce. Et bien voilà, une petite piscine. À mon avis, c'était pour les gens faire des exercices dans l'eau. C'est toujours mieux faire ça dans l'eau pour faire un genre de kiné, quoi. Il y a un petit peu de soleil, vous pouvez voir. Ça fait du bien, un petit peu de soleil. Le jardin est vraiment bien, est vraiment beau. Je vais allumer un petit peu pour que vous voyez le mieux possible. Enfin, c'était sûrement ce que les gens venaient s'habiller pour pouvoir aller dans la piscine. Ça on fera, on ira après. Et voilà, donc c'était la piscine. La deuxième partie, on ira par l'autre côté. Donc ça, c'était le rez-de-chaussée. Il y a une piscine là-bas, une piscine. Mais je t'attends, hein. Vas-y, hein. Comme ça, ben, on pourra faire l'autre côté.
C'est le vent. C'est le vent, la porte qui s'ouvre. On va mettre ça sur le compte du vent. Vous voyez, tous les carreaux sont pétés. On va mettre ça sur le compte du vent. Là, il n'y a plus. La porte, elle est pétée aussi. Ah ben oui, ça donne sur l'extérieur. Ouais, c'est le vent. Pas d'inquiétude, c'est le vent. Ce n'est pas paranormal. En tout cas, il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Extérieur. J'ai eu une petite frayeur. J'entendais un bruit là. Je vais voir. À un moment donné, à côté de moi, c'était une porte à peu près. Ah ben oui, ça aussi j'ai eu la même chose. T'as vu, la porte elle est pétée là. Alors ici il y a un courant d'air, ouais. Et il y a la porte là qui s'est ouverte en une fois. Pas en une fois, elle s'est ouverte quoi. Mais ça c'est le vent. Hein. Ah ouais. Je vais éteindre la caméra. Je vous reprendrai après parce que je pense que j'aurai un souci de batterie. Déjà un souci de batterie, je vous reprends tout de suite. Et ben voilà. Ben, ça sera une vidéo assez courte. Pour l'abonné Saint-Brézon, que je n'ai déjà plus que 30 minutes de batterie. Et alors, mes batteries supplémentaires, je sais comment. Bon. Je les ai commandées, mais je dois les avoir. Bon, on va aller à l'étage. Hein. On va aller faire un tour à l'étage. On va aller à l'étage. Ce sera ça, c'est court. Je vais filmer le plus possible. Et le restant, ben, ça sera des photos. On va monter. Chargé, je l'ai mis sur mon 20 000 mAh. Excusez-moi. Qu'elle se serait chargée en filmant, mais elle se charge, mais quand...
un couloir. Belle chambre. On n'est pas tout seul et on a aperçu quelqu'un qui filmait aussi. Vous avez vu? Il n'y a plus d'électricité. Désolé pour le vent, mais ça, je ne sais rien faire du tout. Vous voyez tellement qu'il y a du vent. On va rentrer dans une. Ça peut voir. Encore un bâtiment à l'extérieur. Sûrement de la couleur. Vous voyez le bâtiment? Il est vraiment grand. Escalier pour monter à l'étage. Bah ouais. Forcément. Donc l'étage, hein, c'est des chambres. On va monter. On va faire un morceau. Tout se ressemble. Hein? Tout se ressemble. Ben oui. Toutes les chambres sont les mêmes. Et là-bas, tout au fond, il y a l'escalier pour remonter au-dessus. Oui. Une paire de gants. Bon, on va faire l'autre partie. Ah, ça sera une vidéo assez courte. Malheureusement. J'aurais bien voulu l'ascenseur. J'aurais bien voulu qu'elle fasse minimum
petite heure. À mon avis, c'était... où les infirmières rangeaient leurs médicaments ou leur petit coin, quoi. Et comment ça peut voir. Enfin, on n'aura pas tout perdu. Ça, c'est pour monter à l'étage. Oui. En plus, on est sur les hauteurs. Donc, il y a tout le temps du vent. Tout le temps. Et puis, c'est l'hiver, hein. C'était sûrement une chambre d'enfant ici. Vous voyez, elle quittait. Vous allez mourir, ne venez pas ici. Il est encourageant, c'est comme marqué ça. En fait, on montera à l'étage, on va faire celle-ci à fond. Vous voyez, c'est des chambres. C'est des chambres. On va passer le sas. Wow. Encore une porte. Une autre chambre. J'ai passé la porte, je suis toujours au même étage, hein, mais je suis en face. Tu m'entends? Je suis au même étage, seulement je suis dans l'autre partie. Je suis dans l'autre partie de l'étage. Je suis là. Ben non, je me suis dit, je vais fermer toutes les lycées. Voilà. Maintenant, si tous les étages sont comme ça, je suppose que. Il y avait plein de sang là. Hein? Il y avait plein de sang, t'as vu? Sur le mur? Ouais, j'ai vu. Je pense que c'est du sang. Ouais, non, c'est de la couleur. Voilà. Une photographie. Ben c'est ce que je dis, hein. T'as vu? Allez, dans même pas 10 minutes, moi, la caméra, c'est fini. Mais de toute façon, c'est que les étages sont tous comme ça, comme tu dis. Ben de toute façon, il y aura les photos, à la limite. C'est dommage, je sais bien. Vous m'en excuserez, mais... si je n'ai plus de jus... une petite batterie, une petite capacité de batterie.
Faudra faire avec. L'ascenseur. C'était compartiment pour mettre les clés. Ici, il y avait sûrement un appareil. Ah ben, c'était pour faire les radios. C'était la salle de radio ici. De radiologie. Là, ça donne sur l'extérieur. Yops. Vous savez, il y avait de la moquette. Donc ici, c'était sûrement... Wow! Les amis, comme vous avez pu le constater, quand je suis rentré dans cette pièce, la porte ne claquait pas. Puis elle a commencé tout doucement à se fermer et s'ouvrir. Pourtant, depuis notre arrivée, le vent est constant. Est-ce paranormal ou pas? Je vous laisse vous faire vos propres opinions. Il y a du vent, mais... quand même. Enfin... ok, Philippe. La porte s'est refermée. Bam, bam. Bam, bam. Ça se prend, ça. Ben ouais. On remonte par ici? Ouais. On va filmer jusque tant que la batterie s'éteigne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a encore un étage. Yeah.
Barcelone sur l'extérieur. C'est moi. Hop. Je passe. Ça, c'est correspondant au bureau administratif. Là aussi. Ouh. Oula. C'était le bureau de la direction ici. Sûrement. Quand je vois la porte, de Dieu. C'est administratif ici à mon avis. C'est tout de l'ambiance. Voilà. C'est quand même dommage. Je m'en veux, mais quelque chose. Escalier. J'aurai à peine une demi-heure. Ça ne m'étonne pas. Tout est encore pété. Neige. Hein? Neige. Il neige? Putain, la porte s'est qu'on refermée. Il y a une voiture qui garée juste derrière nous. Allez. Putain, je râle avec les voitures. C'est un poisson qui est passé. Ouais, je râle avec la batterie. Ah ouais. Putain, je râle. Plus tu aurais pu la voir, quoi. Bah, ça t'intéresserait de revenir? Accède bien à ce moment-là. Mon Dieu. Je passe. Nuni. Hé, Charles. Aussi, je vais venir refilmer plus tard. Pas de soucis. Hein. C'est pas ça, il y aura les photos, mais. Donc, cette fois-ci, petit repérage au Rubex à
Les chasseurs de fantômes, le 31 du 3 2017. Urbex L. Conviendra, j'espère avoir ma batterie dans le courant de la semaine prochaine. J'espère. Donc on va filmer jusque temps que ça s'arrête. Une mise en scène. Ah, du caca. Ça veut dire quoi, ça, le A dans un petit cercle? Bon, on voit encore souvent, hein, ça. On voit régulièrement, ça, je trouve. Si jamais ou quoi, dans les descriptifs, si jamais vous savez ce que c'est. Il y a souvent ça. Encore une chambre. On dirait un chien. Ah, batterie finie. Et vous savez quoi, les amis? Quand la batterie sera finie, je vais reprendre avec l'autre caméra. On ne me verra plus. Mais c'est pas grave. Il y aura quand même pour ça avec l'autre caméra. Je suis sûr que je pourrais continuer à filmer. Elle va s'éteindre d'un moment à l'autre. Hein, c'est vrai, je peux toujours mettre l'autre. Hein. Et pour la grosse, ben. J'attendrai d'avoir mes batteries. Ça sera peut-être plus le même son non plus. On n'est pas tout seul dans le bâtiment, en plus. De ne pas savoir continuer à filmer l'ascenseur. J'ai vu, jusque maintenant, j'ai vu qu'une salle pour faire de radiologie. Ah. Je n'ai vu que ça. Apparemment, c'est des chambres. Oui. Ou alors, c'est au troisième étage. Ou alors, dans les autres bâtiments là-bas. Il y a quand même des salles d'opération, ou je sais pas moi.
Enfin, tu me diras un sanatorium, une opération. Encore une porte qui se referme. Ça c'était le deuxième étage. On va monter au troisième. T'as vu? Il y a des gants là. Aidez-moi. Vous voyez, on est au dernier étage, hein. Vous avez la structure du toit. Go back. C'est le moteur qui actionnait. L'ascenseur. Il y a le moteur qui actionne l'ascenseur ici. Je sais bien que ça t'intéresse tout ça. Thank you.
Ah bon? C'est inimaginable, mes amis. Mon coéquipier m'a suivi tout le long de l'urbex et s'est aperçu qu'après seulement 161 photos, sa batterie est totalement vide. Tout comme moi avec les batteries de ma caméra. On dirait que pendant toute notre investigation, on se serait fait pomper toute notre énergie. Maintenant, ce ne sont que des théories. Je vous laisse votre propre interprétation, les amis. Ça continue. Ben, on ira par là après, si tu veux. Et voilà, j'ai fini avec l'autre caméra. Je vais couper et je vous reprendrai après. Voilà, on va continuer avec ma face cam. Hein. Vu que l'autre, malheureusement, voilà. Sinon, t'as vu, quand elle est éteinte, elle charge. Ouais. Mais quand elle filme. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Là, c'est intéressant, quoi. C'est solide, hein. Plus subtilité intéressant. Ouh. C'est de l'art. De l'art moderne. Sinon, avec la batterie là, tu vois la batterie que c'est? Ouais, c'est bon. Encore un cacaroum.
Ouais, ben c'est vrai que tous les bâtiments se ressemblent, enfin tous les étages enfin, se ressemblent. Ce sommet local pour la maintenance. Ah, Christophe, c'est encore un gros moteur comme t'aimes bien. Bon, maintenant, avec l'autre caméra, je devrais être à l'aise, même pour aller faire la deuxième partie. L'escalier pourrait descendre. On ira voir une partie après. Oui. L'extérieur. Bah, à mon avis, quand on traverse, quand on ira par là, on va retomber dans l'autre bâtiment. Ah, t'as vu, l'autre bâtiment est juste là. Donc, ah, c'est peut-être là qu'il y a... Tu crois que j'ai quand même filmé une heure avec la grosse caméra? Quand on est là, on ne dirait pas. Non, ouais, ça passe vite. Ça passe vite. On va aller voir l'autre partie. On va aller voir l'autre partie. Je m'en excuse encore pour la panne de batterie de la grosse caméra, de la caméra principale.
tout ça. Je comprends pas ça. Ouais, je suis là. Regarde là. Je comprends pas comment on arrive à tout casser comme ça. Franchement, je trouve pas de mots, c'est des connards. Casser ça. Après, on se plaint qu'à chaque fois qu'on fait des demandes ou quoi pour entrer dans des lieux ou quoi, que ça refusait. Ouais, mais après, vous allez casser, vous allez détruire. Je ne comprends pas ça, franchement. Généralement, je suis pas grossier, mais c'est des gros connards. Là, on va rentrer dans le deuxième bâtiment. Il y en a encore un là-bas en plus. Ouais. À moins que ce serait une rajoute. Enfin, ce serait. Hein? Un champignon. Ah bon, on va aller par là. Excusez-moi. Je suis encore légèrement enrhumé. Hop. Voilà. Et nous, on vient de là. Hein. On vient de là. Hop. Et on a fait tout ça. C'est vraiment grand. Petit réchaud. Donc c'est comme je vous ai dit, ce n'est pas une enquête paranormale. C'est exploration urbex pour le paranormal. On viendra, et on vient de là. Encore des petits réchauds. Il y en avait déjà deux là-bas. La petite chambre. Thank you.
c'est l'arrière. Mais t'as vu, j'ai vu qu'il y avait un chemin par le dessus. À mon avis, c'est peut-être venir par autre part. Quoi. Peut-être. Bon, ils nous ont fait comme les grands, hein. On passe par la grande porte. Hein. Ben, voilà. Il me semblait bien. On fait quoi? On fait le bas? On fait d'abord le dessus, on descendra après? Ouais. Zéro 71. C'est la mûre, ça. Il y a une tour là. Là, pour squatter, ça va encore. Ouais. C'est quand même fameux, hein. On a déjà fait là, aux essences. Ils sont des sous-sols, je suppose.
C'était sur mon réfectoire. Neuf chances sur dix que c'est un réfectoire. On a vu d'abord si c'était un réfectoire, les cuisines ne sont pas loin. Toilette. Il neige. C'est son réfectoire. Ouais. Les cuisines sont pas loin alors normalement. Ah ouais. Juste tout droit. Ah ben voilà. Là les cuisines. De la soupe. La fameuse machine en état à laver les... Donc on pourra bien se porter ici, ils sont pas retournés. On pourra bien se porter ici, ils sont pas retournés, en trop neige. Ici. Et pour les caméras. Tout ce qui est machine. On a vu, il faisait pour la vaisselle à la main ici.
que... Ben ouais, pour stocker tout, toute la nourriture. Ouais. Ici, pardon. Oh, tu peux rentrer, y'a pas de problème. Vous avez dit qu'on n'était pas tout seul. Pas de problème. Il s'est éteint ? Ouais. En dessous de la batterie. Là. Ça ne suffit pas. Ça va aller. Une chambre froide hein, où il stocke la nourriture. Hein. Encore une. Hein. Avec le gros ventilateur au-dessus. Urban Exploration Belgium. Une exploration Facebook. Instagram. Le 2 du 7 2017. Bonjour. Bonjour. On fait ça? Oh, nous n'avons même pas laissé quelque chose à manger. Oh. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah oui. La flotte.
Merci, c'est où? Il y a de la flotte. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est où il rangeait. Ça va, la lumière ne te dérange pas? Non. Il y en a qui s'est pété, t'as vu? On dirait qu'il y a du sang là. Ouais. On a vu en cassant. Bonjour. Là, il y a des caves. Dieu, ça se trouve. Chaudière. C'est la chaudière. Alors, la chaudière a été mise la dernière fois d'entretien. En 97. Le dernier entretien de la chaudière a été fait en 97. Des toilettes.
étage. De danse, c'était quoi ici? Chez Samy. Sûrement un truc de salle des fêtes ou un truc comme ça, sûrement. Hein? Généralement, on vole les radiateurs, mais ici, ils ont volé les vannes. Oui, Christophe, je suis à l'étage. La couleur. Tu sens. Je pense plutôt que c'est de la couleur. C'est peut-être une salle des fêtes ici. Il y a un bar. Chez Samy. On est chez Samy. Moyville Urbex. 11/10/2017. Choupinette. Oui, il y a plein d'inscriptions d'urbexeurs. On va aller voir là-bas, c'est souvent. Ouais, c'est les toilettes. Les toilettes pour se laver les mains. Thank you.
Vous avez la cheminée. Hein. Qui monte jusqu'au-dessus. Je suis descendu, hein. Je suis descendu. Excusez-moi. Il y a peut-être moyen d'aller par en dessous ici, hein, voir qu'il y a un petit quelque chose. Ouais, je pense que. Il est surtout. Il faut démarcher vite derrière moi. Je n'ai pas attention. C'est ce que l'autre. Il a essayé de me parler, mais. C'est pas à moi, il ne peut pas faire ça. C'est bon. On m'a dit si je parlais sans moi. Eh ben on va descendre, voir ce qu'on peut. Hein? Ben en dessous. Il y a des trucs en dessous. On a été? Oh! Eh ben on va faire demi-tour. Et on va y aller tout doucement alors. Hein? On a fait tout alors. Ben, ils sont dans les sous-sols, c'est pas possible. Sinon, on va manger de la batterie. On va se couper l'homme. J'entendais marcher derrière moi et tout, mais ouais, c'était toi. Non, non. Il est content, il sera dit j'ai fait pour un militaire. Hein? Il est content, il sera dit j'ai fait pour un militaire. Hey. Ouh là là, tu le sais. Une source, hein, tu ressources. Hein? Je suis content que c'est pas de la pluie, que c'est de... des pièces machin. Là, de... On va voir si des ADL ça. Ça glisse. Ah, oui, mais les chaussures. Ah, ça va. Hein, oui, mais. On a marché avec l'eau, je t'en dis. Ça ne met plus. Non, on a. Oh, mais l'autre fois. hein, bon, je n'expliquerai pas à la caméra pour ne pas que mes abonnés soient au courant, mais bon. Au barbecue. Oh, mais c'était pas des chaussures. Ah, ah, ça fait quand même partie de cette famille-là. C'était des chaussures d'entraînement de la police. Chut. Ils apprennent à ton... C'est pour apprendre à ton bille. Ah, d'accord. Ils apprennent à se recevoir. À se recevoir. Eh bien, on va refaire un petit tour ici. Voir s'il y a... S'il y aurait des caves ou quoi. Aller voir un petit. Ici, on n'est pas venu, hein? Ah, je vais allumer. J'ai une gouttelette sur mon écran, il y a des gens qui vont croire que c'est une orbe. Je vais couper, nettoyer l'objectif et je reprends après. Voilà. Je vous ai repris ce que j'avais
de l'eau sur mon sur l'objectif de la caméra. Comme ça, c'est mieux. Et on arrive à la chaufferie. Tu es venu? Ouais. C'est chauffage à air pulsé, ça, non? Ouais. Ça, regarde. C'est air pulsé. C'est étonnant qu'on n'a pas encore venu chercher le disjoncteur et tout ça. On n'est pas à Charleroi. Ouf. C'est ce que je me disais tantôt. Je me suis fait la réflexion. J'ai dit ouais, d'habitude, partout ce qu'on va, il n'y a plus de pont de radiateur. Et ici les radiateurs, ils sont tous là, mais il n'y a plus de pont de vanne. Ici c'était sur la maintenance. Ouais. Hein? Ouais. C'était sur la maintenance ici. De toute façon, pas tombé, hein. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il y a? Non. Petite pièce. Essayez de pas casser la gueule. C'est bien. Les étages, on les a toutes faites. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi toute la vidéo, je n'aurais pas fait de séance de K2 ni de spirit box ou quoi. C'était uniquement en urbex. J'espère peut-être revenir quand j'aurai les batteries de ma grosse caméra. Un petit squat. Faites très attention, hein. Si vous faites de l'urbex ou quoi, faites très attention quand vous voyez, si vous venez dans le noir ou quoi, qu'il y a des trous. Ça peut être très dangereux. Le bois l'air. Toutes les séparations.
panne électrique. Vous voyez bien, il n'y a plus aucune source d'électricité. Bon, on est là, attends. Ah, ça va. On s'est passé sur les vitres de la porte. On n'était pas là, attends. Ah ouais. C'est pour ça que je suis non. Ah ouais. Donc, pour sortir, pour aller, pour aller devant, ben voilà. C'est un fantôme, ça. C'est un fantôme. Qui ferme la porte. Non, j'ai dit, je ne ferai pas de paranormal aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en mode urbex. C'est très bien. Voilà. Mais, la prochaine fois... Ben, brosse pour faire tes chaussures. Ben voilà. On arrive tout doucement. Ben on a la fin. On a la fin. On a quand même réussi à tout faire. Une partie avec la grosse caméra et une partie avec la petite. Je n'ai pas eu trop le choix. Je demanderai à mon photographe attitré, attention bien, à mon photographe attitré pour voir quelques photos. C'est pas de chien. Ouais, ben on troquera ça en cocaïne. En cocaïne. Et alors, ben, j'espère que vous aimerez la vidéo. Qu'elle ne sera pas trop sous longue pour vous. Parce qu'apparemment, il y aura quand même un peu plus d'une heure avec les deux caméras. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner sur ma chaîne Fifi par Urbex et également à celle de Christox. K-R-I-S-T-O-X. T-O-X. Et puis suivi de Exur. L'inverse voilà. De Urbex. Merci. Donc Christox. Exur. Voilà. Donc, ben, sur ce, on vous dit à très bientôt. Nous, on va essayer de se dépêcher parce que les caméras et la neige, la pluie, tout ça, c'est pas trop bon. Et alors, ben, à la prochaine hein, pour une nouvelle investigation. Bye bye. Salut, ciao.